notre guide sur les graines de moutarde, toutes les propriétés et conseils d'utilisation en cuisine. Le terme moutarde désigne certaines espèces de plantes appartenant à la famille des crucifères, originaire de l'Inde et dont l'histoire est très ancienne. Focus sur la graine de moutarde, ses propriétés et son utilisation. Les principaux nutriments des graines de moutarde. Parmi les espèces de moutarde les plus communes que nous trouvons, moutarde blanche, Sinapis alba, avec ses graines blanches jaunes caractéristiques. Les graines de moutarde blanche aident à la conservation des aliments au fil du temps. La moutarde noire, Brassica nigra, dont les graines sont très foncées, presque noires. Le goût est particulièrement épicé. La moutarde brune, Brassica gincea, aux graines vertes, est très populaire en Orient. Moutarde sauvage, Sinapis arvensi. Les graines de moutarde sont des graines oléagineuses qui sont peu caloriques, 469 calories pour 100 grammes, et sont une source de minéraux, calcium, magnésium, sélénium, phosphore, potassium, manganèse, et de vitamines. En raison de la présence d'agglutinine, ils peuvent provoquer des allergies alimentaires. Quand on parle de moutarde en gastronomie, on entend la farine obtenue par le broyage des graines de moutarde, principalement de type blanc et noir. Propriété de la graine de moutarde. La moutarde a un effet similaire à celui du piment, elle peut provoquer une hyperémie, augmentation du débit sanguin, une irritation locale et une inflammation du système digestif, il ne faut donc pas en abuser. Les sauces obtenues avec des graines de moutarde sont excellentes pour donner du goût au plat tout en maintenant un apport calorique moyen, donc adapté à ceux qui suivent un régime amaigrissant. Le graine de moutarde favorise la circulation du sang, c'est pourquoi elle est un remède naturel ancien contre de nombreuses maladies. Les cataplasmes de farine de graines de moutarde, parfois mélangés à ceux de graines de lin, sont utiles contre les rhumatismes, l'arthrite et les douleurs musculaires. Une infusion de moutarde peut aider en cas de rhume et de fièvre et permet de stimuler la circulation sanguine. L'huile de graines de moutarde est utilisée en médecine ayurvédique pour pratiquer la friction contre les rhumatismes et les névralgies. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.